Hey, salut! Hey, salut. Gaga Potaka. Hey, salut. Hey, salut! Hey, salut. Hey, salut. Hey, salut! Hey, salut! Hey, salut. On voulait vous faire passer un petit message. L'univers de Léna. Donc celle qui fait nos vidéos, celle qui nous fait bouger, celle qui nous fait parler, celle qui crée des histoires avec notre famille, celle qui nous fait vivre la joie, le bonheur, celle qui nous fait apprendre des choses, celle qui nous fait rigoler à chaque fois. Et celle qui nous filme pour que ma famille soit des stars. Et celle qui nous choisit des beaux vêtements pour qu'on soit beau et belle. Et celle qui nous rend célèbres sur YouTube et les réseaux sociaux. On va vous montrer le compte TikTok de notre créatrice, celle qui nous a fait connaître sur YouTube. Donc on va vous montrer le compte de l'univers de Léna. Donc c'est lena.maudo, donc lena, L-E-N-A, point maudo, M-A-H-O-U-D-E-A-U-X, tout attaché. Et la photo de profil, c'est une cascade avec de l'eau bleue turquoise et une cascade qui tombe, quoi. Enfin, de l'eau de cascade qui tombe, voilà, quoi. Donc à tout de suite pour le compte de l'univers de Lena. Donc elle va le montrer sur sa tablette. Donc il faut qu'elle mette son mot de passe et son code PIN car sa tablette est en train de charger, elle était à 0%. Donc elle doit la redémarrer. Et c'est un peu long. Voilà. À tout de suite. Pourquoi je vais montrer mon compte TikTok? C'est pour que vous puissiez me mettre en commentaire sous mes TikTok des idées de vidéos Playmobil. Car je n'ai plus d'idées. Voilà. Donc, notre créatrice n'a plus d'idées de vidéos à nous faire faire. Donc sous ces TikTok, mettez des idées de vidéos Playmobil, mais pas très enfin facile à faire, pas compliqué à réaliser ou à filmer. Donc elle filme avec son téléphone et elle n'a pas d'application de montage. Donc ces vidéos, elle les fait sans montage. Et s'il y a un générique au début, bah voilà, enfin on a déjà fait un générique, mais en fait, c'est trop long. La vidéo, voilà quoi. Donc, c'est parti pour vous montrer le compte TikTok. À tout de suite. Donc, voici TikTok. Donc, c'est la tablette. C'est ma tablette. La tablette de l'univers de Léna, de notre créatrice. Donc, je vais aller sur mon compte. Je suis dégoûtée, ma tablette vient juste de s'éteindre. Alors qu'elle est branchée en plus. Chi et bon, bah vous pourrez pas voir, tant pis. 0%. Je suis trop deg. Tant pis. Donc, mon compte TikTok, c'est lena.maudo, L-E-N-A. M-A-H-O-U-D-E-A-U-X. Avec une cascade où il y a de l'eau bleue turquoise. C'est une cascade avec de l'eau bleue turquoise. Voilà. Et c'est marqué 996 abonnés ou 998 abonnés. Je suis bientôt aux 1000 abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous à mon TikTok. Comme ça, bah, je pourrais faire des lives. Et des emoji games, on pourra me poser plein de questions, on pourra parler et rigoler ensemble. Voilà, donc abonnez-vous à mon TikTok. Et sous les TikTok que je ferai prochainement, ou sous les TikTok que j'ai fait là dans le week-end et dans la semaine, vous pourrez me mettre des idées de vidéos Playmobil en commentaire. Sous mes TikTok, mais pas des vidéos compliquées à tourner ou à filmer. Des vidéos très faciles.
Par exemple, un week-end chez papy et mamie, ou une journée chez papy et mamie, je sais pas moi, bah, mamie a fait un malaise, papy a fait un malaise, la maladie de mamie, la maladie de papy. Je voulais faire une vidéo sur la maladie de mamie, mais en fait j'étais malade, enfin moi j'étais malade, j'ai pas pu faire la vidéo. J'étais pas bien du tout, j'ai eu une grosse gastro, j'ai pas mangé pendant une semaine. C'était pas cette semaine, mais une semaine d'avant, je crois. Enfin, la semaine, mais ouais, et encore avant. C'était dans le mois de septembre. Voilà. Et du coup, bah, j'ai pas pu faire la vidéo. J'étais chez mon père, j'étais malade. J'ai failli aller à l'hôpital pour qu'il me mette sous perfusion parce que j'étais. Enfin, j'étais presque déshydratée, mais je buvais quand même de l'eau. Mais voilà. J'étais malade, du coup, j'ai pas pu tourner la vidéo de la maladie de mamie. Et en fait, la maladie de la grand-mère, enfin, je vous dirai pas c'est quoi le nom. Vous connaissez peut-être pas, mais j'ai marqué maladie où on vomit, où on crache du sang. J'ai trouvé un nom de maladie. Voilà, donc vous verrez dans la vidéo si je la fais. Et voilà, c'est tout. Donc, bah, je vais vous rappeler les prénoms de toute la famille. À tout de suite. En premier, il y a Mélanie Durand. Elle a 29 ans. Voilà. En deuxième, il y a Christophe Durand, 30 ans. Donc, ce sont les parents. Alors, en troisième, nous avons Jessica Durand. Elle a 18 ans. Donc, c'est l'aînée de tous les autres enfants. Donc, c'est les grandes sœurs. En quatrième, nous avons Jennifer Durand, 18 ans aussi. Donc, ce sont deux sœurs jumelles, les deux grandes sœurs jumelles. Alors, ici, nous avons Julien Durand, 8 ans. Ici, nous avons Luca Durand, il a 8 ans. Donc, oui, il y a 3 triplés, donc des faux triplés. Ici, nous avons Auxence, pas Maxence, Auxence Durand, 8 ans. Du coup, c'est 3 petits triplé, voilà. Donc là, il y a les aînés, mais voilà. Après, ici, nous avons Héloïse Durand, elle a 6 ans. Et voici sa jumelle, donc c'est Léane. Donc, vous pouvez le voir, elles sont bien jumelles. La même coupe de cheveux, le même visage. Pas la même couleur de peau, mais c'est comme ça. Après, nous avons ici deux autres jumelles. Donc, bah, mon personnage à moi, donc je l'ai appelée Léna, bah, comme mon vrai prénom. Moi aussi, je m'appelle Léna, en vrai. Je m'appelle Léna, je suis en vrai. Hein. Voilà, je m'appelle Léna Mahoudeau. Et là, c'est Léna Durand. Et vous avez sa jumelle à côté, Lola Durand, L-O-L-A. Et Léna, L-E accent aigu, N-A, Durand. Et Lola Durand, du coup, ce sont deux jumelles. Elles ont deux queues de cheval, pas le même nœud de cheveux, et le même visage, et pas trop les mêmes vêtements. Mais voilà. Et après, nous avons pas le petit dernier. Parce que la mère, elle est enceinte. Vous voyez, elle a un gros bidon. Nous avons le petit Alexandre, il me semble. Durand, il a 1 an. Voilà. Et le petit bébé qui est dans le ventre. Je vais pas vous spoiler. Mais je peux juste montrer le petit bébé. Voilà, donc c'est comme ça. Donc devinez, enfin, vous savez déjà c'est quoi le sexe, donc il y a du rose. Mais je ne vous dirai pas plus. Donc là, c'est la tenue quand le bébé va naître. Quand le médecin, enfin quand les docteurs ou les sages-femmes vont leur mettre un petit vêtement. Il va être comme ça, le petit bébé. Et après, ben, enfin ouais, enfin quand ils vont, ouais. Quand le bébé va naître, il va être comme ça. Ah ouais, enfin, je sais pas comment dire. Enfin, j'ai pas de bébé aux cheveux noirs tout nu ou juste avec une couche en fait. Ouais, enfin, oui, on va dire que bah, il va naître comme ça avec des vêtements roses et que bah, après les médecins ils vont le prendre et ils vont le changer et elle sera comme ça blanc, bleu et rose. Enfin, il ou elle sera comme ça blanc, bleu et rose. Voilà. C'est tout. Donc je vous dirai pas le prénom. À vous de deviner le prénom. Et dites-moi dans les commentaires
dans mon compte TikTok. Donc je vais vous le marquer sur un papier, mon compte TikTok. Et dites-moi en commentaire des prénoms pour voir si quelqu'un a trouvé le bon prénom. Que j'ai déjà trouvé le prénom pour il ou elle, enfin pour ce petit bébé. J'ai déjà trouvé un prénom et c'est sûr que ça va être ce prénom-là. Je l'ai déjà noté sur ma feuille en fait avec tout, enfin les chiens, les noms des chats, les noms des parents, les noms des enfants, les noms des grandes sœurs et les noms des bénévoles de la SPA. Donc la SPA est là-bas. Donc dites-moi plein de noms dans les commentaires sous mes vidéos TikTok et je répondrai à celle ou celui qui a donné la bonne réponse. Voilà, donc j'ai déjà trouvé le prénom et c'est sûr que ce sera ça comme prénom. Et si vous avez si vous voulez un indice, là j'ai fait une wishlist, elle est en train de se mettre en ligne. Et un indice, j'ai commandé, enfin je voudrais pour mon Noël une troisième poupée Reborn. Et le nom de ma poupée, le nom de ma troisième poupée que je vais avoir à mon Noël 2020, c'est le même prénom que ce petit bébé là. Voilà, donc si ça peut vous aider, c'est le même prénom que ce petit bébé. Donc je vous ai donné un indice et vous trouverez forcément la réponse. Donc dites-moi vos réponses sous mes TikTok dans les commentaires. Donc c'est le prénom de ma troisième poupée Reborn. Donc c'est facile, je l'ai dit dans ma wishlist. Voilà, c'est tout. Enfin, je crois que je l'ai dit, oui. Elle s'appellera machin. Voilà, c'est tout. Donc je vais vous donner un grand indice et vous allez trouver forcément le prénom vu que ma troisième poupée Reborn s'appellera comme ce bébé Playmobil. Voilà, voilà. C'est tout. Donc voilà. Donc dites dans les commentaires du compte de notre créatrice l'univers de Léna ou Léna.maudo. Dites dans les commentaires de ces TikTok des idées de vidéos Playmobil, s'il vous plaît. Dites des idées de vidéos Playmobil. Car là, elle est en panne d'idées, à court d'idées. Elle ne sait plus du tout quoi inventer comme histoire ni de vidéo. Donc, s'il vous plaît, aidez-la. Ce serait gentil. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera soit la maladie de ma mère, donc la mamie de mes enfants. Ou soit ce sera la naissance de mon petit bébé qui est dans mon ventre, enfin mon accouchement quoi. Ce sera soit mon accouchement, donc du coup la naissance de mon petit bébé qui est juste là, ou soit ce sera la maladie de ma mère, donc la grand-mère ou la mamie de mes enfants. Voilà. Au pire, vous choisissez dans les commentaires de TikTok celui qui dira, enfin ceux qui diront le plus de fois la même. Le même titre de vidéo, et je prendrai. Par exemple, s'il y a plus la maladie de la grand-mère, et je ferai la maladie de la grand-mère. Et s'il y a plus la vidéo de mon accouchement et de la naissance de mon petit bébé, et je ferai la naissance de mon petit bébé. Voilà. Vous choisissez. Ou d'autres sujets de vidéo. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit room tour de notre maison. Si vous ne vous rappelez plus notre maison, comment elle est. Donc je fais pause pour replacer quelques objets et je suis à vous tout de suite. Et aussi avec ce petit... Là j'ai un gros avion Playmobil. On va peut-être dézoomer un peu. Voilà, j'ai pris des choses. Là j'ai un rouleau de masking tape de ce motif là. J'aimerais bien retaper l'entrée. Donc le mur là et le mur à l'intérieur. Après il y a toute la famille. Donc, je vais vous montrer tous les masking tape que j'ai. Enfin, j'ai pas que ça, je crois. Si, je sais plus. Je dois avoir d'autres masking tape. Donc, j'ai un petit masking tape doré avec je sais pas, comme ça aussi. Et j'ai ça, un violet pastel. Et j'ai ce motif là. Donc, je sais pas lesquels iraient le mieux. Est-ce que ce motif là irait bien dans l'entrée? Je ne sais pas. Là. Hop.
Est-ce que ce motif-là irait bien sur ce mur? Et je mets le violet sur le mur. Là. Enfin, quand je dis le mur, c'est aussi là. Enfin, là au-dessus des chiffres, là juste en dessous, et là ici, et là ici, et sur tout le mur et tout le mur là. Ou aussi, je pourrais décorer la table, mettre du masking tape dessus. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais faire la table en violet, je pense. Non. La table, je vais la décorer avec ça. Et je vais faire le mur en violet. Je sais pas. Ouais. Je vais faire ça. La table comme ça et le mur en violet. Je ferai ça demain soir chez moi quand j'entrerai de mon lycée, de mes cours. Mais voilà. Là, je vais m'attaquer à la table. Je vais vous montrer après tout de suite ce que ça donne. Et je vais peut-être aussi décorer les escaliers là. Mais avec quelle couleur? Comme ça, violet en plus, ça en plus les escaliers mènent à la chambre des garçons. Donc si je mets des trucs de filles roses ou comme ça, je ne sais pas. Je réfléchis. Voilà. Après, je sais pas. Là, déjà, à l'entrée, ça peut être bien. Et puis après, bah, qu'est-ce qu'on peut décorer? Je peux décorer chez la maison des grands-parents aussi. Mais bon, je sais pas. J'hésite. Je vais pas quand même me recouvrir le sol, non? Bah non. Bon. Bah, je vais déjà faire la table à manger avec ce motif-là. Et on se retrouve juste après. Voilà. Je sais pas trop ce que c'est comme vidéo, comme titre de vidéo. Annonce à vous faire. Ouais, voilà. Hop. Voilà, j'ai fait ma table à manger. Elle est pas trop belle. Et derrière, ça donne ça. Voilà. Salut! Likez, commentez, abonnez-vous à mon TikTok et tout et tout. Salut!